Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes particulièrement gâtés par la météo ce soir. Les conditions sont absolument idéales pour les deux équipes. Carmenès et moi-même, Hervé Batou, aux commentaires. On va s'intéresser à une rencontre de championnat. Une très belle rencontre. Un très gros rendez-vous en perspective, Pierre. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. L'équipe locale qui est, rappelons-le, la formation qui connaît les moins bons résultats devant son public. Exact, les joueurs n'ont enregistré que 2 victoires sur 13 matchs. places aujourd'hui. Hein. A priori, ça devrait nous permettre d'avoir de belles ambiances. Ouais, surtout qu'ici, le public est assez chaud. Hein. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se placer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec, hein. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais matchs. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Ouais, avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le centre vers ses coéquipiers. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Il est parti trop tôt là. Il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe. Alfredo Ortonio. Perdu bêtement. Alvaro Jiménez. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah oui, la bonne passe. C'est dommage, c'est pas bien joué. Ortuño. La parade magnifique du gardien. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Alvaro Jiménez. Oh, c'est un pénalty. C'est un pénalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. Qui a fait le bon choix sur le pénalty. Le gardien sûr de lui qui s'impose. Gardien qui fait le bon choix, c'est parfait. Ouais, bien tiré ce corner. Et tout le monde la voyait au fond, hein, vraiment.
cette reprise de la tête. Ouais, peut-être, ça doit se jouer à un détail, mais finalement elle frôle le cadre. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Un mauvais dégagement, mal fait. Oh, il fallait le sortir ce tacle. Ah, ils perdent ce ballon. Alfredo Ortonio. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui multiplie les passes. Ortonio. Oh, c'est bien donné en profondeur. Le bon ballon. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Alvaro. On cherche la faille dans la défense adverse. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Llamada para Ana Calvillo. Te esperan en recepción. Repetimos. Ouais, on passe par les côtés. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Alfredo Ortonio, on s'approche du but. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Arrêt du gardien. On écarte le jeu. Alvaro. Bonne intervention près de la ligne de touche. Ouais, pour l'instant, on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match ou au moins marquer un but. Il faudra d'abord qu'elles se créent des occasions. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Ligne 2. Bonne séquence de possession là. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Bonne intervention le long de la ligne de touche. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Peut-être une bonne opportunité, attention. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Oh, il était temps d'intervenir là. Bien protégé ce ballon. Ballon en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. Et le but, l'ouverture du score contre le cours du jeu, faut bien le dire. Cette équipe n'avait pas montré grand-chose jusqu'ici, alors vraiment, c'est bon à prendre.
voit l'excellente inspiration de cette équipe à l'approche du but avec ce 1-2. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui parse le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Alvaro Jiménez. Une minute de temps additionnel. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Ah, ils prennent l'avantage au meilleur des moments. Juste avant la mi-temps, c'est parfait. Et devant leur public en plus. Et c'est donc parti pour la seconde période. On va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Alvaro. Ah, la bonne qualité de ses passes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. Alvaro Jiménez. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Donne par-dessus. On s'approche du but adverse. Et c'est récupéré. Alfredo Ortonio. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. On a atteint l'heure de jeu. Rendu au camp adverse. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Alvaro Jiménez. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Ouais, il y a des options dans la surface. Ortonio. Un duel gagné, il prend le ballon. Nous n'irons pas plus loin sur cette action.
Bon, apparemment, la distance ne lui fait pas peur. Après tout, ça se tente. Hein. Se prepara una sustitución en el Albacete. Sale de la cancha. Con el 20. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Hein. Entrará en la cancha con el 5, Dani Torres. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Le centre dans la surface. Mal joué, mal négocié ce ballon. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Et l'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Pas de souci de construction pour autant. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Ouais, le bon ballon donné par-dessus. Allez, peut-être une bonne touche là. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Entrará en su lugar con el 10, Zozulia. Est-ce qu'il va centrer? Le ballon qui est récupéré par la défense, qui ne sait pas trop qu'en faire. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Ils ont l'avantage, ils ont le ballon et ils sont en train d'endormir leur adversaire et nous avec un petit peu. Allez, faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. Allez, faut centrer vite. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Ah, c'est dommage hein, de rater une occasion pareille. C'est vrai que le centre était bon. Il aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. A complètement raté cette passe. Il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Choisis la frappe. Ah, c'est contré. Voilà, ça y est, la fin du match. Victoire à domicile pour cette équipe. Courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Les 3 points qui font du bien du coup.